c'est ça la couche supérieure des produits. Mais c'est pour diversion, okay. C'est pas organisé. Non, pas du tout. Okay, pas du okay. tout. Et voilà, c'est Jean Abvivli là. Le député Alfredo Antoine qui lui-même qui fâché parce que lui-même il estimait que c'est un sans bas de commencer pour assez de bonnes raisons que lui-même il estimait que pas de bonne commission était montée pour aller pencher sous cas 4 ministres mais le fait que l'assemblée bureau a pas constitué commission ça il estimait que c'est pas là pour c'est ça que tu as fait d'abord avant que c'est ensemble reprenne et c'est ça jusqu'à présent je nous dis là qui créait si échafaud ça dedans de là. Si les nerfs sont à fleur de peau, mais ça qui est certain là, et député a essayé, entendu pour garder sa café. Merci, s'il vous plaît. M'a demandé, en début de... M'a demandé tout collègue, c'est sérénité. Et collègue Alfred de son député, son père peut toujours lui parler. Nous m'a de seulement... La main de la presse pour chuter à l'inflation. Nous habitons ici à CES dans la chambre de buté. Il y a plus de peur que de mal. Ok? Tout le monde prend place. Et tout débuté dans la CES, car quand même prend la parole, n'a pas la parole au moment opportun. Et n'a demandé, encore une fois, ma réitéré samedi, pour que. Pas mal donne pour que pas mes interprétations, moi dit pour sécurité à faire mes potes la lettre à sécuriser son pour moi. Donc intégrité physique en débuté sans bail qui respecte. Merci. Pour que pas mal donne ou mes interprétations. Donc la sérénité est revenue, le calme est revenu. Donc maintenant de vous débuter interpellateur, continuez conformément à la Constitution. Merci. Le son, s'il vous plaît. Ou bien le micro à LSA, en attendant. Merci. Et on a rappelé que CSA répond à l'exigence article 129-2 de la Constitution qui reconnaît à tout groupe de députés, au minimum 5 députés pour interpeller le Premier ministre ou l'ensemble du gouvernement ou bien un ministre en particulier. Merci. Merci, Président. Gardez-vous le numéro si ça marche, s'il vous plaît. Gardez-le tout le temps. Ok, allez-y. Merci, Président. Merci, collègue, de votre compréhension. Merci. Et moi, remercie collègue Alfredo, collègue du KID, qui malheureusement, qui moun qui est pas même intérêt que moun grand bref. Alors, nous voilà. Pas ciblé, collègue, là. Pas ciblé, collègue, là, s'il vous plaît. Pas ciblé. Alfredo. Pas ciblé, collègue là. Collègue numéro 1, restez dans la motion d'interpellation. Pas ciblé, collègue Alfredo, s'il vous plaît. Président. Collègue numéro 1, député deux mandats, député expérimenté, pas fait ça. Pas ciblé, collègue Alfredo. Et demandez pour enlever ça. Merci, président. Enlevez-moi. Collègue numéro 1, enlevez. Président, enlevez-moi, nous nous assemblons politiques, chaque monde capable de gagner position. Président, faut que tolérance. Enlevez-moi, s'il vous plaît. Président, les intérêts de chaque député, de chaque circonscription, pas même bagaille. Merci. Enlevez-moi, vous aviez.
possible. D'accord, président. Sous demande assemblée, moi levé. Merci, tout collègue Chita. On avance. Président, pour nous commencer, on va permettre nous lire dans page 3, déclaration politique générale. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine est présenté dans l'Assemblée ça. L'elle t'a parlé à député yo. Il te dit ça comme ça, président. Étant donné que nous-mêmes députés parlementaires, nous dépositaires de la confiance du peuple, chargés d'exprimer sa voix et de veiller à la prise en charge de ses attentes, je vous donne la garantie formelle que son aspiration, que ses aspirations légitimes constitueront le boussole des actions de mon équipe. Quels sont, monsieur le président, les propos tenus par le premier ministre Jacques Guy Lafontaine dans l'introduction de politique générale de l'Assemblée Chambre députée? Et je dis, président, ensemble députés qui réunis là yo, nous réunis pour nous accomplir ensemble un exercice démocratique, un exercice constitutionnel. Mais président, séance ça a été campé côté nous là et me pas monter tribune non 28 juin pour me faire exposer motif acte d'interpellation parce que par un acte émanant de la Cour supérieure des comptes lui montrer noir sur blanc et président en début de séance s'est prouvé encore que ce gouvernement à travers un acte de remaniement de son cabinet ministériel a sciemment violé la constitution. Président, nous tous reconnaître nous tous qui là députés représentants 10 représentants de nos circonscriptions respectives nous connaît président nous pas qu'à transiger sur la loi nous pas qu'à transiger sur la constitution. Si l'administration qui est chargée, l'institution chargée de contrôler les actes administratifs du gouvernement, les noirs sur blanc, dit-nous que le gouvernement a violé la constitution pendant que l'on nommé un ensemble de monde qui parle ni titre ni qualité, comment président va demander pour mal voter contre le gouvernement qui déjà dit l'idée de la constitution? Moi, président, même si nous t'arrivons dans le fond, président, nous tous qui la représentons la circonscription, non? Circonscription, nous, population a voté déjà. Nous devons là seulement pour nous traduire seulement ce qu'a décidé la population à travers ses actions. Même si là, il y a des actions regrettables qui produisent un pays et nous ne pouvons pas les pays à sombrer dans le chaos. Président, moi, je vais commencer pour faire respecter la loi, pour faire respecter la constitution. Président, nous-mêmes, 16 députés interpellateurs, nous avons demandé au bureau pour nous acte que le gouvernement a violé la constitution lorsque il a nommé 5 individus, 5 intrus sans titre ni qualité et qui déjà engagé les fonds de l'administration publique. Comme pas qu'il y a un débat président sur la constitution, moi pas ouais comment 10 représentants de Grand Ouave et porte-parole des collègues interpellateurs qui m'ont monté pour me faire exposer de acte d'interpellation alors qu'on est déjà en violation de la constitution. S'il y a violation de la constitution, nous demandons d'abord au bureau de trancher avant de pouvoir avancer. Merci monsieur le président. On va avancer après les mots du bureau. Le débat n'est pas encore ouvert, collègue Alfredo. Je vais vous donner tous les collègues la parole au moment opportun. Donc, débat, pourquoi l'ouvrir? Et je vais rappeler d'abord. Sous ça, il y a une lettre qui a été acheminée au bureau. Dans un premier temps, okay, dans un premier temps, c'est une lettre
te gon let ki la parole a bay à tout moun. Nou pa la pou nou censurer la parole, nou la n'ap menon séance. Et n'ap mande kolèg yo, kolèg Alfredo en particulier, kembe sans froid s'il vous plaît. On prend avec la sagesse qu'on te connaît, s'il te plaît, kembe sans froid. Merci. Donc, qui est encore un collègue interpellateur qui prend la parole? Monsieur le Président, ce sont les règlements. Considérant la nomination inconstitutionnelle de 5 ministres dans la nuit du 23 avril 2018, considérant le rappel fait par les 16 députés interpellateurs au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine en date du 25 avril 2018, exigeant le dépôt des pièces des ministres de fait nouvellement nommés par l'arrêté du 23 avril 2018, considérant la correspondance du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine adressée à la Chambre des députés en date du 27 avril 2018 pour demander au président de la Chambre des députés la procédure à suivre pour nommer les ministres, considérant la correspondance du Premier ministre adressée à M. Guy-André Junior François en date du 27 avril 2018 lui demandant de procéder au dépôt des pièces et documents exigés par l'article 172.1 de la Constitution de 1987 amendée, considérant la correspondance de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en date du 27 juin 2018, reconnaissant que les citoyens Rinaldo Brunet, Jean Woody Ali, Joubert C. Engrand et Guilherme C. Delva sont comptables de deniers publics de fait et de droit, considérant que les articles 52.1 et 172.1 de la Constitution de 1987 amendée ont été violés sciemment par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, considérant que les citoyens suscités comme ministres, présentés comme ministres, n'ont pas pu assister à l'Assemblée nationale ouvrant la deuxième session ordinaire de deuxième lundi du mois de juin 2018 écoulé, considérant qu'il est du devoir fondamental de la Chambre des députés de veiller au respect des lois. Les députés signataires de la présente demandent au bureau de la Chambre des députés de prendre acte de ce que l'administration Moïse Lafontaine a violé la Constitution de 1987 amendée, spécialement en ses articles 52.1 et 172.1. Suivent les signatures des 16 interpellateurs. Président, nous demandons pour prendre dépôt de AXA en attendant qu'il nous fasse présentation de l'exposé des motifs de l'acte d'interpellation. Merci, Monsieur le Président. Acte que vous êtes accordé, collègue numéro. Merci, Président. Et nous demandons au député interpellateur de faire la motion d'interpellation. Merci, Président. Monsieur le Président, je présente l'acte maintenant. Monsieur le Président, distingués membres du bureau de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués collègues de l'Assemblée, jodi a, nous n'avons qu'à faire tout à fait particulier dans l'histoire nous comme balmante. Et ça qui a sorti dans ce séance aujourd'hui pour témoigner positionnement. Dans ce sens, nous venons à soir dans l'espace chambre députée pour nous faire ensemble un plus bel exercice que un régime parlementaire gagné. Un procédé qui trace déjà en dans moment loi pays qui c'est constitution 1987 là dans l'article 59 li, qui c'est un procédé bien démocratique et que nous devons apprendre pour nous gérer à
conviction et sérénité. Dans le cas ça, président, nous-mêmes, députés, représentants, population nous, nous entendons accomplir devoir ça. Dans toute rigueur, mais avec toute correction, la loi, la constitution, bah nous, comme responsables dans l'État. Premier ministre, lorsque nous-mêmes 16 collègues qui décident d'interpeller le gouvernement, non, pour toute insatisfaction, pour toute frustration, déjà, population a témoigné par rapport à la gestion du gouvernement. Non. Nouvelle la tombée, c'est comme si tu as 16 députés qui font déclaration de guerre avec le gouvernement, c'est comme si ils ont annoncé la fin du monde. Ni bandi ni l'autre. Nous voulons questionner le gouvernement non, sur le bilan ou présenté devant nous, sur non-application toute sorte dit dans la déclaration politique générale. Nous constatons ça, Premier ministre, tout bon vrai. Par rapport à ce que présenté pays devant l'Assemblée parlementaire, yo, gouvernement ou non, son gouvernement qui tout bon vrai, qui incapable, qui incompétent, qui lance le pays dans une situation côté li enterré tout espoir pour jeunes femmes et jeunes garçons, petit pays. Nous demandons amis, collègues, députés qui la yo pour yo agir proportionnellement à confiance. Population yo meti nan yo et devoir n'a pas accompli après-midi an li pa genyen aucune intention pour li acculer un collègue ou bien l'autre collègue par rapport à une situation. Il y a une situation qui présente dans pays a qui mandé que les responsables d'état nous chita ensemble pour nous prendre des dispositions pour nous éviter chaos. Collègue, qui moun nan peyi a chounen jodi a ki ka fermé oreille li ki di l pa tan de cri population a ki moun ki nan peyi d'Haïti chounen jodi a ki pa vive mizè noa ke peyi a konnen la même si nou même nou parlementè nou gen certain privilège mais tout bagay la vie chè a frapi pot nou tout. Problème population a frappé nous. Problème population li atteint nous. Si gouvernement pas arrivé sous population, si gouvernement pas tant décrit population, mais aucun collègue qui se représentant circonscription si pas qu'a dit les l'entrer dans circonscription si qui population pas adressé le problème qu'il a confronté. Qui moun qui gen courage dit que toute bagaille a bien marché dans pays site. Qui moun qui capable dit journée jodia collègue Sinal il a failli perdre sa vie hier soir là matissant des bandits prend toute sac sous lit téléphone tout bagaille net dépouillé c'est bon Dieu seulement permettre collègue là avec nous et c'est pas lui responsable sécurité tête lui la sécurité de ce pays qui est-ce qui chargé pour bailli premier ministre là c'est chef CSPN en tant que chef CSPN ça veut dire c'est chef qui là pour bay sécurité vie ak bien dans pays a jodi a ou gen parti dans population dans capitale la presque déserté côté yo sorti obligé à mettre ti affaire soit ka zanmi ou bien dans l'autre endroit parce que gen des bandits tout journée cap terroriser yo et de manière irresponsable un premier ministre gravé prend radio prend télévision pour le dire 10 moun pou mourir en même temps. Donc ça veut dire sécurité à beaucoup grave. Comment nous capables, nous-mêmes, dignes représentants de population, non, pour nous être capables d'applaudir dans une logique pareille, pour nous dire tout bon vrai que pays ça va, tout marche bien. Chers collègues, après-midi, moi comprendre que la situation a demandé pour nous poser une action. Mais nous poser une action pas seulement pour tête non pas seulement pour législature nous la donne non mais pour toute génération qui va venir
pour yon ouais tout bon vrai. Il y a des députés conséquents, responsables, qui décident prendre responsabilité yon en main et dit non, ça ne va pas. Population en poussé, cri, nous autres parlementaires, faut que nous tendez et faut que nous mandez réparation pour population. Collègues, yo, tant que nous t'ai indiqué li nan lettre nous t'ai voyé par le président chambre député ya, conformément à règlement intérieur, interpellation gouvernement qui fait jodi a, qui a continué jodi a, li prend en toute considération bagay qui t'est nan essence, qui base déclaration politique générale premier ministre là, et nous profiter dans même document ça pour nous énumérer, pour nous citer un ensemble de points, un ensemble de actions qui considéré comme violation flagrante de constitution 1987 là, un ensemble de points tout qui considéré comme violation loi de finances rectificative 2016-2017 là, loi de finances 2017-2018 qui a exécuté Kouniak presque fini. Côté tout bon vrai et des populations râlé yon souffle. Jodi a 18-19 mois après, nous ta remè premier ministre là dit nous qui ça li fait dans toute saleté dit dans déclaration de politique générale. Et si nous permettons, moi m'a souligné trois petits points. Parce que après-midi, il n'y a pas demandé pour nous parler en pile. Population dit nous, pour nous garder dans point essentiel premier ministre et déclaration politique générale premier ministre là. Côté il dit déclaration politique générale gouvernement non. Il inscrit non logique, non perspective de rationalité économique qui caractérisé par amélioration condition vie population an, ak une croissance économique soutenue. Non introduction premier ministre nan paragraphe 4 premier ministre nan dit contexte jodi a li imposé à tout pays yo effort pour nous faire rationalisation pour programme qui tend pour améliorer condition vie population an, et réforme courageuse pour lutter contre gaspillage et nous capables réorienter ressources maigres nous gagnons pour nous atteindre objectif ça dans bénéfice chaque citoyen. Premier ministre, c'est où dit et vous continuez dans paragraphe 5 là pour dire qui ça. En pile effort pour le fait par gouvernement non, ça veut dire gouvernement pour là. Pour assainir finance publique, ça veut dire pour utiliser l'argent l'état bien. Mais je dis qui monde qui pas connaît comment l'argent l'état puis dit dans toute la rue. Au point où non jour qu'a passé là au premier ministre, un commissaire gouvernement dit li arrêté dans un ministère individu qui vient demander chèque sous nom député et ministre en fait chèque pour député. Li bail li monde. Mais depuis qui l'est administration de qu'on fait comme ça. Sous qui base n'a pas ni l'argent vrai. Parce que n'importe qui capable citer n'importe qui non député et puis ministre fait chèque pour lui sous prétexte pour pas convoquer yo, sous prétexte pour pas interpeller yo. Qui gravité, qui absurdité mes amis. Côté population dans tout ça. Premier ministre, dans programme renforcement question justice yo, ou te font paquet de promesses. Ou a mettre sous pied constitutionnel, ou a renforcer cour supérieur pouvoir judiciaire, ou a informatiser et ou a approvisionner tribunal, ou a matériel, un paquet de bagaille, ou a faire réforme dans administration pénitentiaire yo. Chotia. Première question gen pour premier ministre, première question. Qui côté nous yé à tout ça? Nous non 16 combien mois depuis gouvernement en fin installé. Est-ce que la population doit continuer à espérer toujours? Premier ministre, nous t'arrêtons aujourd'hui à vous dire qui choye la population. Premier ministre, dans le paragraphe 7 déclaration politique générale, vous dit
Mon gouvernement s'évertuera dans le cadre de sa politique de sécurité humaine à combattre construction anarchique, obstruction des voies publiques, présence des câbles électriques défectueux, tous les égouts à ciel ouvert, la mauvaise gestion de certaines stations de service, etc. Ou dit un paquet de belles bagailles pour parti politique. Combien de consultations ou fait avec le parti politique pour te prendre une grosse décision ou qu'on apprend yo dans le cadre où so tu te dis là, on va te mettre en application. Ou dit ou combattre corruption. Ou dit ou combattre contrebande. Pourtant, dans une déclaration, le président de la République l'a fait. Il dit que le pays a perdu plus que 100 milliards de gouttes chaque année à cause de corruption. Il dit si vous te mettez GEO sous frontière, vous êtes capable d'estimer à 400 millions de dollars américains montant l'argent que le gouvernement n'est pas capable de rentrer dans la caisse de l'État à cause de contrebande. Corruption, président cité 5 fois. 5 fléaux qui a mangé pays ya. Jodi ya. Gayon ministre affaires sociales yo di, yo révoqué sous affaire corruption et yo bal promotion, yo metel dans palais national. Qui ça qui fait premier ministre? Non, et l'autre promotion, merci collègue. Nous ta remé konnen devant peuple haïtien, devant assemblée parlementaire qui là. Pour ta dire nous, nous avons fait corruption. Combien de monde, Jodia, gouvernement, nous a poursuivre. Combien de monde qui a répondu à la justice pour faire corruption? Combien de contrebandiers, gouvernement qui a déjà et qui s'est fait avec le dossier? Premier ministre, elle a grave, elle a triste, elle a noire. Est-ce que le premier ministre, ou qui contrainte qui fait ou pas qu'à exécuter budget ya. Et puis ça qui est intéressant, l'argent pour projet ou pas décaissé parce que dans mi temps exercice nous est là, gouvernement te dit il te gagne un manque de rentrée, un déficit budgétaire. Nous tendez en bas table, yo déposé un budget rectificatif pour 2017-2018 qui augmentait sorti de 144 milliards goud à 156. Alors que gouvernement tape Cléonel pas de moyen, c'est ça que fait projet communal yo, projet dans section communal yo pas capable exécuter. Nous gè là depuis installation gouvernement qui nous bas outils et moyens pour agir au profit de nos mandants, au profit de nos circonscriptions. N'en déplaise à certains de nos collègues, mais on t'a remis que toute commune dans le pays a dit, mandez nous-mêmes comme parlementaires, côté l'argent qui te prévoit pour circonscription. Au point où un magistrat prend radio de ses députés qui empêchent le projet de débloquer. Je dis à nous, chaque collègue qui l'a, nous avons une possibilité pour nous dire pays. Mais ça fait l'argent n'a pas débloqué. Si c'est tout bon vrai, c'est nous pas débloquer, prends courage nous à demain. Si nous pas accompagner magistrats pour signer projet pour déposer conformément à la loi, dit ça publiquement devant la population. Premier ministre, si c'est député Luméran, si c'est n'importe député interpellateur qui devine devant pour te régler ces bagailles pour yon battable, qui ne font pas de moyens pour te agir pour la population, ou une occasion pour dire ça à la nation. Et dit sans réserve, population la bien content qu'on est qui handicap ou te gagné dans situation là. Moi pas t'arrêter dans place et me féliciter au premier ministre pour courage. Malgré situation qui est là, ou dit j'ai l'ange ou parler avec peuple haïtien et me remet ça. Moi mon garçon qui gagne garçon dans garçon qui met garçon dans taille qui dit face à tout ça yo dit m'a parler à chaque citoyen j'ai l'ange. Nous, chaque qui a pris responsabilité, nous. On a pris responsabilité pour le Premier ministre.
pour dire mais ça m'était gagné comme contrainte. Mais qui handicap m'était gagné. Mais qui député qui a empêché l'administration de avancer, et bien pour qui ça m'a pas des résultats population. N'a pas dit encore, population en pousse cri. Nous c'est députés, nous devons prendre la population en considération et nous devons balle justice, nous devons balle réparation. Moi, je suis fini. Parce que ça m'a là, je n'ai pas besoin de faire tout de suite ça. Mais si vous avez mis mon collègue, vous mettre mon petit temps pour nous garder deux documents. Premier ministre n'a présenté dans l'Assemblée, qu'il relait, qu'il qualifiait de bilan. Mes amis, problème. Premier ministre a bail deux documents. Yo relé au bilan. Yo fait un ensemble de correspondances. Côté premier ministre te chita avec ambassadeur ceci. Premier ministre a été rencontré avec et comment relé là? Nèg téléphone là, investisseur là. Et puis président mettait tout comme bilan. Comme si un gouvernement gagne tout moun sa yo la dan, moun respecte la yo. Premier ministre respecte ya ta dim jodi ya, yo pa konsakre le bilan. Premier ministre t'emporte de recueil de poésie pour nous, pour ka fè nous li. Comme li konnen nou pa tap gade yo. Li mete yo, yo très volumine, et population à travers la presse a wè yo pou de bel ti feuille papier, de bel ti document bien écrit dans bon ti français. Mais qui s'accorde dans yo des rencontres, des petites lettres, correspondances que le Premier ministre lui a adressé à ministre, à Zanmini, à moun dans le gouvernement. Premier ministre, vous te promettez de redresser ou AVCT. Mais nous avons 4 mois. L'institution a fermé. Il y a un pile collègue qui là, c'est l'autorité qui a utilisé la courir avec machine pour payer l'assurance. Pour qui ça, c'est pas parce que vous ne voulez pas faire assurance. Parce que l'institution là, pour bailler service là, le fermer. La responsabilité est imputable à qui? Nous autres parlementaires, qui doivent faire effort pour demander au AVCT, ou report li, ou bien problème administration nan genyen, qui fait service, ou pas qu'à joindre population. C'est triste qu'un gouvernement n'arrive même pas à savoir ce qu'est un bilan. Chers collègues, nous sommes dans l'obligation de travailler sur la proposition et le vote d'une loi adoptant un formulaire pour la préparation d'un bilan gouvernemental semblable au formulaire de déclaration de politique, de déclaration d'impôt, afin que nous permettre au Premier ministre là au moins capable de dresser pour la population un bilan. Premier ministre, dans la politique de déclaration générale, nous faisons un paquet de promesses. Nous relevons plus de 25 là dans yo, mais c'est bon les exhaustifs. Alors nous kembe on témoin 40 là dans yo, c'est bon les exhaustifs. Nous gal passer au document, nous gagne déjà puisque il était public. Moi sûr gouvernement non te prend temps pour le garder toute promesse ou fait yo qu'on connaît. Ou dit pour pays a wap font ensemble de route. Wap fait route nationale numéro 4. Cap sorti qui côté pour relier qui côté. Ou dit premier ministre non déclaration politique générale. Ou te pas on ti fait après. M'pa konn sou gagne le premier ministre. M'gagne la ma baoul sou déblié. Ou marqué errata. Et quand on marqué errata, te gon projet qui intéresse en pile. Ou dit wap fait route Saint-Étienne Bénin. Pendant wap passer blocos. Yo di a premier ministre, m'ta remon di député Benéa, député Léo Gan qui traverse route là, député Grand Guave, député Lavallée qui concerne pas route ça, qui action fait déjà dans cadre construction mosso route ça. Un paquet promesse ou fait ou pas kembe youn devant population et nous te croit tout bon vous pas kembe youn. Lorsque collègue Sinal et collègue Luméran te prend courage à demain pour te monter sur tribune non ou te dit l'op dit tout oui ça yo nous te dit pas jamais gagner résultat parce que ou te besoin vote assemblée tout ça yo dossier oui
et pas bien l'autre bagaille, c'est comme prêcher depuis que tu as prêché ou en noté oui mais pas de rien que t'es qu'embé. Nous sommes soulignés exécution budget a. Gouvernement n'a pas respecté rien ou pour aller dans programme cash management, c'est un bon bagaille qui te dit que gouvernement pral dépenser seulement limite l'argent qu'il rentre. Comment on comprend pendant un cash management ou à parler de déficit au point où obligé faire recours à BRH pour m'en découvrir pour vous des déficits considérables. Premier ministre, dis-nous non. Côté 3 millions de gouttes qui étaient sous budget rectificatif la passé. Ça va faire avec les. Dans qui commune yon exécuté, comme qui est dans le projet communal, yo. Journée aujourd'hui, dans le budget 2017-2018, 7 millions. Combien on décaissé déjà? Dans qui circonscription, dans qui commune? Dans section communale, yon un million chaque section. Dans combien section yon décaissé déjà? L'exercice là manque deux mois pour le finir. Dans les mains ou 10 populations, mais ça fait déjà. Sinon 17. Alors non, 16-17. Ou beaucoup dépenser du tout. Et 17-18. Ça n'attend. Qui s'en a espéré même? Collègue, qui s'en attend? Que le premier ministre l'a dit nous, quel bagage il a fait pour le pays? Et laisse ça comprendre, tout bon vrai, que nous devons y aller. Mes amis, bon fini non. Le président dit bon fini. Mais bon, je m'a fini avec un mauvais constat, avec un constat de mauvaise gouvernance, gouvernement. Qui a signé un accord SMP, Staff Monitoring Programme, avec FMI. FMI, ou mes amis? Mes problèmes, je dis. Gouvernement entend avec FMI sous deux populations. Et on présente un budget 17-18 qui gagne la donne comme voies et moyens. Ça veut dire comme possibilité pour rentrer l'argent, augmentation gaz là. Oui, li là dans budget. Moi, comme nous te présenté l'embattable, nous tant de gouvernement mandé pour le prendre en battable encore, mais nous t'a souhaité que le gouvernement bien corrige de voile parce que gen Géraud donc a gardé. Gen Jean-Collec Scholzer qui a gardé. Gen député Lumière pas parlé qui a gardé qui sont venus dire population. Mais le premier ministre pour me finir, on va garder constitution comme ça non. Mes amis, attendez non peuple là. Attendez. Le fait que le premier ministre n'a pas exécuté normalement loi de finances, j'en ai été voté dans l'Assemblée, lui constitué une violation de la Constitution, une violation de la loi. Mais de l'autre côté, mes amis, le premier ministre n'a pas utilisé le pouvoir Constitution Bali, lui fait un remaniement. Ou bien ensemble de nominations en dans cabinet li. Et non ça li tout bonnement violer constitution an, et pas grand rien qu'à retirer ça ou mettre passer n'importe gomme sous li li pas capable effacer. Mais faut-il souffrir collègue pour me dire nous qui côté moi relevé un paquet de faute mais même si nous deux pour nous pour premier ministre. Sous point de vue administratif, premier ministre, bon font titan premier ministre, attention le détourner. Premier ministre, du point de vue administratif, ou violer même principe élémentaire dans le droit administratif. Yo, qui voulait que faut gen un vide qui créé avant qu'on soit capable de remplacer un autre monde. Mwen ta reme ou di nou. Est-ce que vous avez nommé une lettre de démission 7 ministres ou de révoqué ou que remplacé par 5 autres individus sans titre ni qualité aujourd'hui? Il y a deux manières, collègues, vous avez tout net qui a fait une leçon. Vous connaissez qui gens pour qu'un ministre capable de sortir dans le gouvernement. Même avant le premier ministre. A pas grand pile monde qui doit démissionner ou pas démissionner. Vous connaissez deux possibilités. C'est ou vous décidez de démissionner ou bien parlement. Assemblée parlementaire décide de sanctionner ou pas gagner
démission ou bien sous gain loi présenté yo et parlement pas de faire séance d'interpellation pour ministre ça yo. Ça veut dire yo pas de censurer. Donc sous remplacer yo sans vide là pas de créer, c'est qu'on fait ça relé en administration un double emploi. Et je vous le dis, si moi même t'es ministre dans le gouvernement ou non, si je bat bon lettre de démission, si je bat gagner un acte de parlement révoqué, je vais payer suivant ça la loi dit. Parce que il y a deux possibilités pour me démettre de fonction. Non, matière constitution, premier ministre, c'est de manière flagrante, c'est à couteau de bord ou fond de constitution. Lorsqu'on passe tout bon vrai en papier, collègue numéro 1, s'il vous plaît, n'a pas de collègues yo pour yo prendre place yo, pour yo tourner dans place yo Alchita. Chita, s'il vous plaît, n'a pas de collègues yo pour yo tourner dans place yo. Collègues yo, s'il vous plaît, à la place nous soumis et quitter collègue numéro 1 avec des numéros de prédateurs, continuer avec monsieur de censure là. Merci collègue Chéri, collègue Fitchéri, collègue Samuel Daïti, collègue Daniel Le Temps, collègue Numéris de Meret, Maurice de Meret, s'il vous plaît. Jouez nos places, nous chita. Merci. Merci, merci, président, on a fini. Vous me dites qui ça? Dans la constitution même, c'est à un couteau filé de bord. Premier ministre, ou tranchez la constitution, non mais non. Ou tranchez l'enjeu tout pays. Lorsqu'on décide de passer en papier, article 52.1, article 172.1, yo, qui baille toutes conditions pour un monde vin ministre. Et, il y a deux documents qui témoignent ça. Youn! C'est un acte qui sorti dans main on co-signé m'bal ba ou connaissance de li sous tablier si mémoire fort défaut on lettre corroyé by ministre le 27 avril quand on mandé yo pour dossier ba ou pour capable ouais si yo répond à exigence constitution ça veut dire l'autre a nommé on comprend nous ou pas de monde a nommé yo et si effectivement moun sa yo c'est ta théorie yo c'est pas photo ou pas connait côté yo sorti. Et nous apprécions ça. Et vous avez possibilité pour dire nation. Vous avez fait faute ça. Et vous reconnaître. Et si vous dites nation, vous faites faute là. Nous sommes capables de pardonner. Mais nous avons un deal dans l'Assemblée, Premier ministre. Premier ministre. Premier ministre. La Cour des comptes, oui. La Cour des comptes nous dit depuis qu'on a un administratif qui concerne l'État, c'est lui pour dire Moli. Preuve Pedro Caribe. Faut assembler à voyer dans la Cour des comptes. Si la Cour des comptes pas dit rien, tout bagaille bien marché. Mais la Cour des comptes dit nous. Si quatre noms nous ont été là yo. Ma connait nous ici. Yo pas gain qualité. Yo c'est comptable de l'ordre public. Premier ministre, ou quoi constitution Bokoto? Font y garder article 172.1. Gardez pour elle yo dit, sous tes comptable de l'ordre public dit, il faut avoir reçu des charges de gestion. La Cour des comptes, c'est le tribunal administratif des actes de l'État. Par excellence. Ça veut dire, par vos actions, monsieur le Premier ministre, vous avez accepté, décidé de violer la Constitution. Comment un collègue député pour le camper pour le dire, oui, Premier ministre, vous avez violé la Constitution. Mais même si je me suis monté sous lit, mais ma bonne chance toujours. Beaucoup quoi le possible. C'est pas vrai qu'on est qui l'a pas appelé voter pour vous. Mais action opposée yo, dit yo, yo pas capable parce que yo voit bail contre la caillou tout. D'aller mais voter pour vous pour me qu'un beau envie. Mais Premier ministre, c'est pas possible parce que c'est vous qui mettez code là dans tête tout, décidez tout prendre tête tout, on va pas retirer le pour vous. Pour qu'on ensemble de et bon fini, on fini. Collègue a posé question. Collègue président, premier ministre, considérant que la mission de tout bon gouvernement, c'est pour le travail pour améliorer les conditions de vie et bien-être de la population, selon un programme qui est bien élaboré dans la déclaration politique générale, là nous considérons que dans la pratique, la grande orientation qu'on définit dans la déclaration politique générale,
ou pas respecter yon la dan yo, et que je vous dis, espoir population a tombé, au moins ou l'obligé sortir dans la rue pour traduire un paquet de bagaille. Frustration ni, méfiance li par rapport à moun kap dirijil. Yo pa fè nou yon confiance. Jodi a population di pa okipe yo, son teyak yo pral fè en bas parce que yo tann yo pou yon ministre déjà. Nou pa ka ofri ça à population. Fò nou garder population en danger. Se n'ap sorti la nou chak pour nous dire moi nous sort fait devoir constitutionnel moi. Premier ministre m'a garanti que nous 16 qui là et ensemble collègues conséquents qui là yo nous va faire devoir constitution. Nous pas de problème avec la personne de Jacques Guy Lafontaine. Mais il y a un gouvernement qui n'a rien délivré. Il y a un gouvernement qui pas la résultat et population témoigne, nous devons agir dans intérêt population. Premier ministre, nous considérons situation dégradante à la montre sécurité, problème sécurité dans le pays. Alors que c'est vous qui président CSPN nan. Ou ba nous ou exprimer devant population an, nous avons d'échec, nous avons d'impuissance. Lorsque bagay sa sort passé dans jour 7 ak 8 juillet sort passé la yo, lorsque problème Matisan récurrent, lorsque problème Grand Ravine dans gouvernement pas ka bay réponse à li. Est-ce que c'est nous autres parlementaires qui avons une possibilité pour nous avoir satisfaction, avoir sécurité dans la population? Premier ministre, nous considérons que le gouvernement n'a pas qu'un bien qu'un engagement qui prend devant nous là. Nous-mêmes parlementaires qui sortons dans la matrice population, nous-mêmes dignes représentants de la population, nous considérons ou agir. Pendant qu'on viole toute loi pays, particulièrement loi des finances qui d'ordre annuel, particulièrement constitution, l'on décide de nommer un paquet de monde sans titre ni qualité. Face à toute considération, nous-mêmes, députés interpellateurs, et assistés, accompagnés, soutenus, supportés par tous les collègues qui sont présents là, qui encouragent demain, malgré les difficultés qui dans la rue, pour présent. Jodi a pour rempli de voix ça que moi-même moi bat bravo pour yo moi bat bravo pour des collègues qui étaient en fond dans circonscription yo qui décidé qu'on ait créé une exigence constitutionnelle pour respecter yo vini là collègue Smith Romial qui n'en fait sodo la kaili qui obligé vini là tout collègue qui présent là yo mais nous-même nous décidé déposer motion de censure ça contre ou même Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, ensemble avec le gouvernement, pour nous capables de faire droit à différentes aspirations du peuple haïtien. Et les gens qui signent, qui prennent courage à demain, qui signent bagay ça, c'est député Jean-Robert Bossé, député d'Aquin, député Deus de Honnête, député de Marigot, Roger Millien, Zami Premier ministre, député première circonscription. Enel Abolon, député de Tomonde. Audet Alcide, député de Plaisance du Nord. Joseph Manès, lui, député Cabaret. Sinal Bedran, malgré le malade, député de Port-Salut. Claude-Luc Guillaume, député de Plaisance du Sud. Abel de Colline, député de Mingbalet, Smith Romial, député de Sodo, Vickerson Gagné, député de Tiot, Jean-Lionel Gabriel, qui hospitalisé Jodia, député de la Scarobas, Pierre Fekier Julien, député de la Cité du Drapeau de l'Arcayen, Baudelaire Noël Saint, député de Dune, Rénal Exantus, député de l'Esther, et votre serviteur, Jean-Marcel Luméran, digne représentant de Grand Gouave. Président, nous demandons pour banon acte de dépôt des motions de censure contre le gouvernement et nous demandons collègues dans l'Assemblée pour voter dans l'intérêt de la population. Merci, Président. Nous demandons la parole, monsieur le président.
Merci de regagner vos places. Allez en place, nous, s'il vous plaît. Collègue Alfredo, Fontichita, ma fond point. Ok? Donc, acte vous êtes accordé, collègue et Lumière. Et n'a pas dit, collègue, s'il vous plaît, pour prendre place. Donc, tout à l'heure, et pendant que nous avons commencé, nous gagné, si nous voulons, des scènes que la population est capable de mal interpréter. Mais il faut nous connaître ici à la Chambre des députés. Collègue Abel, s'il vous plaît. Nous connaissons ici à la Chambre des députés ces débats contradictoires. Et quelle que soit la position du député Kagé, il parle l'évangile. D'abord l'État laïque. Donc tout le monde a le droit pour parler. Donc, je vais collègue Alfredo la parole exceptionnellement parce que je ne vais pas les gens dans la circonscription mal interpréter ça le tape dire. Je vais la parole pour. Je vais la parole. Après ça, le président a continué ses instants juste pour le faire mise au point. Collègue de Keskov, s'il vous plaît. Merci. Merci, président. Président, membre du bureau. Collègues de l'Assemblée, députés interpellateurs, mesdames, messieurs, les ministres, premier ministre. Président, moi t'ai sollicité la parole et me parlé que l'Assemblée a mal interprété sollicitation de parole que me demandait. Parce que il était clairement dit. Dans la dernière séance que bureau, le président te mette en continuation, nous t'es fini dans point 5. Et point 5 là, pour qui ça nous te mette séance là en continuation, monsieur le président, c'est pour te monter en commission pour aller étudier dossier les 5 ministres nommés. Que collègue interpellateur te dit que ministre n'a pas rentré dans le Parlement. Et il est clairement dit, selon l'article 129.2 de la Constitution, que le gouvernement nous doit étendre dans, tout son, dans toute son entièreté. Si nous te dit, collègue interpellateur, il te prend décision, nous te dit clairement que la commission va le monter au bon matin. Président, pas qu'à dire que la Cour supérieure des comptes t'a écrit, lui présenter le rapport. Le président de la Chambre des députés n'est pas le président de la commission. Et président, m'a dit, et c'est point ça que j'ai besoin de faire pour la population, parce que mon qu'est-ce que collègue Lumière a fait allusion, référence à vous. Collègue, pas ciblé aucun collègue. Okay. Il y a bon fond point, okay. Fond fini. Collègue, bon fond fini. Mal fini. Bal fini. Qu'est-ce qu'on connaît clairement position par rapport avec le gouvernement depuis vendredi? Et m'a dit, président, article 223 de la Constitution, l'exécution de la loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assuré par les services prévus par la loi. Le contrôle de l'exécution de la loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour supérieure des comptes et toute autre institution prévue par la loi. Président, nous sommes des législateurs. Et loi que la Cour supérieure des comptes a exécuté, c'est le Parlement qui vote. Donc, il n'est pas capable d'interpréter dans le sens pâle. Et sauf Parlement, il y a autorité pour prendre loi interprétative. Si Parlement a droit pour mener enquête sur question budgétaire, pour qui ça, commission ça n'a pas monté, et pour qui ça que nous prenons parole, la Cour supérieure des comptes, que Oudim, qui présentait un rapport détaillé, je suis membre de l'Assemblée, président, je t'aimerais que bureau communique un rapport détaillé ça, que la Cour supérieure des comptes voyez Bao qui dit que 5 ministres, parce que puis devant, ministres fait partie de la population en tout. Puis devant, les députés interpellateurs, on connaît au gars le de acte pour dire que. Ils ont géré l'argent l'État, ils ont nommé
illégalement, ils vont demander pour poursuivre devant la justice. Et président, en tant que défenseur du peuple, yo votez, population qui soit là, votez pour me défendre, droit quel que soit citoyen. Président, commission ça pas monté. Commission et nous là pour respecter principe. Merci collègue Alfredo. A fini président pour me dire. Merci. Que article fini. T'en prie. 172-1. Pour être nommé ministre, il faut 1. Être haïtien et administrer la preuve d'avoir répondu l'ensemble de ses obligations en tant que citoyen, finalement, fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l'État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. Président, c'est pas seulement 2, être âgé de 30 ans accompli. Qu'est-ce qui dit que ministre, qu'est-ce qui dit que vous avez 29 ans? Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine affective infamante. Pas dans l'exil, vous êtes condamné. Ce n'est pas la Cour supérieure des comptes qui prend le dire ça. C'est une commission parlementaire qui pour clairement définir statut ministre qui est nommé. 4. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. En pile, dans 4, maintenant 5 ministères que nous disons nous nommer, on peut contester la question de la Cour supérieure des comptes là, qui dit que n'est pas comptable. Sauf une commission parlementaire de la Chambre des députés capable de produire un rapport sous statut 5 ministres. Et c'est à ça que moi, ça me voulait faire prévaloir, même été convaincu et clair. Ma position était claire depuis vendredi. Merci. Suite avec problème qui était gagné un peu partout dans le pays, après montée et sans ça, on était clairement dit c'est que bon. Député Kessoff là, il désolidarisé de l'appui que le débat gouvernement ça. Merci. Merci s'il vous plaît. Merci et non bye. Non bye député Alfredo fait pour l'affaire et n'a pas rappelé débat au poko l'ouvrir. Nous pourrons le permettre dans un premier temps, premier ministre prend la parole. Après ça, nous avons liste. Allez-y. Le président du bloc majoritaire. Allez-y. Merci le président, les membres du bureau, les membres du gouvernement et le chef, collègues de l'Assemblée, membres de la presse. Nous avons fait des sorties et nous-mêmes en tant qu'hommes de loi, nous avons toujours dit nous sommes pour l'interpellation qui était soulevée ou demandée par des députés interpellateurs parce que c'est une affaire constitutionnelle. Nous n'avons pas qu'à courir pour lui. Cependant, nous sommes également esclaves de la loi. Et nous t'ai bien dit,
monde qui gagne police séance dans l'assemblée selon règlement intérieur chambre député côté le campé séance là pour une raison bien déterminée c'est là séance là supposée continuer et notez bien dit lui la date d'aujourd'hui qui convoquait nous là lui prend en marge de la loi parce que procédure n'est pas respectée. Monsieur le Président, au nom du bloc majoritaire, nous demandons une suspension de séance de 10 minutes pour une concertation importante. Merci, Président. Bon, et nous connaissons président, son président sage, et tout député qui l'a dans l'Assemblée, il est sous compte nous. Il est sous compte bureau, les nous dit nous, les sept membres du bureau. Donc, 10 minutes, collègue Hippolyte, pas tuer la République, n'a pas suspension de séance. Là. N'a pas tourné dans 10 minutes. Merci. 10 minutes. Et voilà, amis téléspectateurs, je demande et président Jean-Wilson Hippolyte, qui c'est un président bloc majoritaire, et bon, l'étéman des bureaux à ce que vous avez une suspension de séance de 10 minutes et son requête que bureau lui-même l'y a agréé. Et là, nous capables de vivre côté que plusieurs députés qui toujours dans le bloc majorité, il y a vidé espace, salle de séance. Là. Question pour vous aller en concertation, sous demande, président bloc majoritaire là. Et en façon pour séance capable de reprendre. Il faut dire que la décision ça n'est pas fait unanimité, mais comme c'est bureau qui mandel, et bureau lui-même lui tranché, donc. Reste membre de l'Assemblée, reste membre député obligé de couper par rapport à la demande ça. Et là, capable d'entendre bruit de fond, c'est des discussions entre députés et députés qui ont essayé de faire valoir, prendre vue par eux par rapport à cette suspension de séance. Mais ça qui est certain, nous toujours dans la salle de séance, c'est la chambre des députés. Côté na vive moment fort, séance d'interpellation ça. Jeudi samedi 14 juillet 2018 là. Et là, et après député interpellateur. Ont été fin fait part de motion de censure et président assemblée à lui-même il était dans opportunité à député Alfredo Antoine qui dans un premier temps était très remonté qui était même voulu bloquer séance là il était bail à député Alfredo opportunité pour capable expliquer pour capable exprimer par devant et la nation et ça qui était fait et tout de suite après c'est après et président bloc majoritaire là nous voulait faire référence à député Léo Gannan circonscription Léo Gannan député Jean-Wilson Hippolyte lui-même qui était mandat de suspension de séance de 10 minutes et le temps que ou même là car ou capable respirer le temps que chambre député à reprendre et avec séance là on a demandé studio depuis Delma 33 pour capable reprendre antenne et dans moins que 10 minutes n'a capable retourner pour aider population vive comment ça a déroulé dans salle de séance chambre des députés.